Yes, bon matin. Alors, comme petite nuit d'insomnie, c'est pour régler cette histoire-là, mouiller le sommeil, guerre perpétuelle. Je voulais faire un vlog que je peux pas vous garantir qu'il va pas être un peu long. Plusieurs choses. Je vais aborder les raisons derrière la pause que j'ai prise cet été. Vous l'avez sûrement pas remarqué vu que je suis pas si gros que ça, là, mais j'ai été plutôt absent sur le YouTube québécois cet été. Puis aussi en humour. Au contraire de ce que je pensais, j'ai fait des prises de conscience. Puis si j'avais quelques petites affaires, fait que bon vlog, on s'en jase. Grosso modo, deux prises de conscience cet été. D'un, faut que j'assure mon avenir. Bon, fait que j'ai travaillé là-dessus. Bourse, placement, trading, investissement, tout le kit. Je me suis blindé pour pouvoir être présent à faire ça plus longtemps. Sans avoir à me soucier nécessairement de mon revenu. Ben oui, faut que je m'en soucie. Là. On va être réaliste. Hein. C'est jamais de quoi que on va me sortir de la tête. Mais j'ai stabilisé mon avenir. Si ça vous intéresse, quelques petites affaires là-dedans. Je vais en parler quand même bien, beaucoup, mais pas nécessairement en profondeur par rapport à ce que j'ai fait exactement. Mais j'ai rien enregistré une série de rapcasts là-dessus. Justement, plusieurs sujets, dont Épargne Placement Québec, la bourse, les applications, dont Real Simple Trade, que je vais peut-être mettre mon lien dans la description, si j'y pense. Si c'est pas là, c'est que j'ai encore oublié. C'est ça qui résume cette partie-là. Deuxième prise de conscience. Je savourais. Je vais être honnête, j'ai un gros problème d'anxiété. Pour ça, j'ai pas encore dormi cette nuit. Je m'en venais. Je veux pas mal parler, mais je suis plus capable. Je m'assumais plus quand je me regardais parce que j'avais un problème avec la bouffe causée par l'anxiété. Je mangeais mes nerfs. Puis, je suis plus à l'aise à me regarder dans le miroir. Puis, encore moins à me voir en vidéo. Fait que. J'ai travaillé ça. J'ai beaucoup maigri. En ce moment, je porte des pantalons que j'ai jamais réussi à porter de ma vie. Je les ai achetés, ils m'ont jamais fait. Puis un matin, je me suis dit, on essaie ça, petit Louis. Ben oui, je rentre dedans, toi. Je rentre dedans. Je vais même pas rêver, là, un mois, de rentrer là-dedans. Là. Je même pas capable de les enfiler jusqu'à à la taille où est-ce qu'ils vont. Parce que j'avais trop les cuisses gonflées. T'as-tu idée? T'as-tu idée? Wow! Brag! Bon, je suis content. Là, l'autre problème que je vais attaquer, c'est le fait que je suis tanné. Là, c'est à matin, c'est-tu pas si pire? Ah, j'ai gros fumé vu que j'ai pas beaucoup dormi. Ils sont jaunes. Mais là, quand je suis en train de 3 paquets par jour, je me vois après ça dans la vidéo. Ben, vous me lavez les mains. Qu'est-ce 3 paquets, pensez-y? Ça devient jaune, tendu. C'est fou, là. Fait que, essayer d'arrêter de fumer, ou au moins recommencer à vapoter, parce que c'est dégueulasse, ces astuces de doigts jaunes, on va se le dire. Au point, j'essaie de reprendre le contrôle de plusieurs trucs, je veux m'investir plus en humour, en vidéo, j'ai pas été actif cet été. J'ai perdu du temps, je trouve. De l'avancement que j'avais pu prendre. Fait qu'on travaille là-dessus. Plein de petites choses. Fait que cette année, je veux essayer de donner une nouvelle dynamique à ma chaîne aussi sur YouTube. Des montages plus travaillés. Plus de travail en arrière de tout ce que je fais. Fait que, on essaye ça. En humour, je veux me mettre sérieusement un booking plus assidu. Peut-être monter à Montréal une fois de temps en temps,
tout ça, puis avoir du fun, me permettre d'être heureux. Cet été, en gros, je vais vous dire c'est quoi j'ai fait. J'ai travaillé sur mon bonheur. Exactement, beaucoup de changements dans ma vie. Puis c'est juste pour le mieux. Comme ça. Mais ouais, c'est une grippe celle-là. Wow, wow, elle me rend nerveux. Mais en gros, la grosse raison en arrière de tout ça. Ouais, je me suis vraiment fait une amie. Bon, on va espérer qu'elle me lâche. C'est que. Elle est vraiment fatiguée. Merde, j'ai peur là, de me faire piquer un matin. On va reprendre ça tantôt. Bon, prise 2. Ce coup-là, pas de guêpe. Donc, je vais pouvoir vous parler. On croise les doigts. La grosse raison de pourquoi j'ai tout fait ça cet été, travailler mon anxiété, puis que je tiens autant à vous en parler, c'est que je pense que c'est toi qui arrive. Pas juste à moi, là. Mais l'anxiété, on la laisse prendre le contrôle de nos vies. Puis j'ai décidé d'arrêter de laisser l'anxiété me dominer. Je veux pas. C'est problématique. Fait que, that's it. Travaillez donc en premier lieu, la première des choses, peu importe ton projet dans la vie, travaille donc d'être moins anxieux. Si t'en fais pas, tant mieux, man. Tant mieux. Si t'en fais, travaille non sans priorité. Conseil de quelqu'un qui a négligé trop longtemps son petit côté anxieux puis qu'il s'est rendu compte que, oh, c'est rendu une montagne. Yes!